Je vous ai renseigné sur la loi, Dr. Gordon. À vous de vous y conformer. Écoutez, Monsieur Kravis, vous pouvez voir que la situation est totalement injuste. Quelle situation injuste? Que dites-vous? Mon client a le droit de recouvrer son bien, c'est clair. Ah. Vous rendez à César ce qui est à César. Au revoir, monsieur. Ah. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Alors, ça va? Oui, merci. Qui est cet homme? C'est un avocat. La famille Ryder a vendu ses écuries. Il s'occupe de ça. Oh, il travaille pour le nouveau propriétaire, alors? Oui, c'est ça. Un fermier écossais a acheté les terres, les écuries et les chevaux. Pourquoi est-il venu vous voir? En vérifiant les titres et les contrats, l'avocat s'est aperçu qu'il leur manque un cheval. Ils ont trouvé que le vieux avait prêté un jeune étalon à un certain Dr. Gordon. Prince Noir? Et ils veulent le ravoir. Mais non! Prince Noir est à nous, vous m'avez toujours dit qu'il nous appartenait. C'est ce que je croyais, Jenny, mais les contrats indiquent le contraire. Eh bien, cet avocat fait erreur. Nous savons bien que vous l'avez soigné pour presque rien. Et qu'il vous a donné prince en paiement de vos services. Et c'est ce que j'ai dit à l'avocat, mais il n'en croit rien. Il est venu ici nous informer qu'ils vont reprendre Prince Noir. Non, il a tort. Prince Noir est mon cheval. Il nous appartient, nous tous. Ils ont la loi de leur côté, Jenny. Dans ce cas, la loi a tort. Non, je ne le permettrai jamais. Personne ne me l'enlèvera, personne. Je vais en parler à mon avocat. Nous ne le céderons pas sans lutter. Oh, Prince Noir, tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux te promettre que tu resteras ici. Je vais te protéger. Je te jure qu'on ne nous séparera pas.